Affronter un examen d'état requiert une bonne préparation. Une préparation qui passe par l'assiduité au cours et le suivi parental. Conscient des difficultés financières que traversent certains parents en cette période scolaire, Alban Kaki, dans sa veste de président de l'association Diata Château d'Eau Innovation, a lancé depuis 2016 une vaste opération des travaux dirigés gratuits en faveur des élèves de Diata Château d'Eau en classe d'examen. Cette année, le challenge sera réitéré avec le lancement ce 12 février 2022 devant les élèves, parents et autorités administratives des travaux dirigés au titre de l'année 2021-2022. Cette initiative qui intègre l'engagement communautaire du philanthrope Alban Kaki, natif de Diata, vient en appoint des efforts des parents pour rehausser les chances de réussite des élèves habitant Makelekele, premier arrondissement de Brazzaville. Nous avons lancé ce concept depuis l'année 2016-2017, partant d'une analyse sur le niveau d'admission année après année. Nous nous étions rendus compte à l'époque que sur les 7 dernières années, dans nos quartiers, on avait moins d'admis que les années d'avant. Voilà, ce qui était opposé au niveau d'admission du pays. Et nous avons après fait une autre analyse profonde où on a fait un lien de corrélation entre ceux qui n'étaient pas satisfaits aux examens, d'accord, et ceux qui ne faisaient pas les cours dirigés ou les travaux gratuits. Et quand on s'est rendu compte de cela, j'ai rassemblé les enseignants pour leur dire qu'on a un problème de développement communautaire. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, dans la projection des 5 ou 10 années à venir, nous aurons des gens qui seront oisifs, qui vont aller au banditisme, qui vont aller aux actes de vandalisme. Donc il faut aujourd'hui apporter une solution à cela, puisque c'est le concept de notre projet dans l'association que nous avons. Et donc, j'ai rassemblé les enseignants pour leur dire, écoutez, je vais payer, mais vous devez réduire de moitié votre tarif, parce que c'est une contribution. Le développement communautaire demande que tous les habitants puissent contribuer. C'était pas facile, mais ils ont accepté. Donc, ils ont réduit de moitié leur tarif. Et puis, moi, je paye la différence. Donc, c'est les enseignants et moi qui organisons cela. Après plus de 5 ans, cette initiative présente une moisson abondante, permettant ainsi aux élèves participants de satisfaire à leurs différents examens d'État sans faille. Elle est ici fortement saluée par les parents d'élèves qui voient en elle une véritable bouffée d'oxygène. Les parents doivent faire un travail à la maison. Et souvent, les parents, à cause des inégalités financières, à cause de beaucoup de disparités, n'arrive pas à encadrer les élèves. Et voilà pourquoi cette initiative-là, on doit l'encourager parce que les élèves sont orientés vers le TD. Et les résultats sont là, en tout cas depuis 2017, vous avez vu, les résultats sont là. Donc vraiment, comme je l'ai dit, s'il y a d'autres personnes qui ont ce genre d'initiative-là, elles seront les bienvenues. Et les personnes comme M. Alban Kaki, c'est, si vous voulez, c'est, je ne sais pas comment dire ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, l'homme est un animal politique. C'est-à-dire qu'il faut créer cet environnement-là pour sauver l'éducation dans notre pays parce qu'il y a trop d'antivaleurs. Les élèves qui en sont bénéficiaires ont hâte d'en tirer profil. Personnellement, je n'avais pas de centre et ça me rejetait carrément. Je me demandais comment j'allais faire parce que l'année passée aussi c'était pareil, je n'avais pas de centre. Et cette année-ci, je lui remercie énormément parce qu'il a eu à organiser ça. Je serai assidue et je serai là à chaque fois, chaque samedi et dimanche. Je vais me concentrer sur ça. Que a organisé M. Alban, c'est une bonne initiative et une bonne ouverture pour nous autres qui n'avons pas de centre, pour permettre au moins aux parents de ne pas trop mettre sur le dos la charge de payer des centres, vu que ces derniers temps c'est un peu difficile pour les moyens, bon, c'est pas trop ça. Donc. Je dis vraiment un grand merci au président Alban Kaki d'avoir organisé cet TD parce que c'est bénéficiaire pour nous autres qui n'ont pas des centres d'encadrement, ça va nous permettre de bien se préparer pour l'examen. Alban Kaki pousse le curseur plus loin. Le président de cette plateforme entend mettre sur pied des séances de développement personnel en vue de former les jeunes sur des thématiques ayant trait au monde du business, de l'entrepreneuriat, de la gestion de carrière et de l'orientation professionnelle. Bon, la particularité cette année, c'est que nous voulons aussi déjà primer les meilleurs. D'accord, les encourager. Et nous avons prévu des séances, des networks, des séances de développement personnel. Donc, en plus de l'école qu'ils vont faire, on prendra parfois 2 ou 3 heures le mois pour leur parler de leur projet professionnel, pour leur parler de leurs rêves, pour leur parler de leurs compétences, comment fixer des objectifs et pouvoir les atteindre, comment pouvoir, quand ils iront à l'université, comment ils vont pouvoir faire l'orientation par rapport aux spécialités. Donc, il y a ça qui est nouveau cette année. On fera des networking, on va primer les meilleurs, donc pour pouvoir les envoyer. C'est ce que j'ai dit aux enfants de CM2 la semaine dernière. J'ai dit que tous ceux qui seront les 15 ou les 20 premiers de la salle, chaque mois, je viendrai leur donner des petits prix, voilà, pour pouvoir les encourager. Mais ensemble, qu'on le fait. Pour réussir à bien ce pari, les travaux dirigés ne doivent en tout cas pas chevaucher les horaires scolaires.
C'est ainsi que Alban Kaki et son équipe ont décidé d'organiser ces activités que les samedis et dimanches.